Voici pour vous maintenant une analyse du dernier conseil de ville de la ville de Donnacona, celui du mois de mars 2024. Au début, le maire, M. Jean-Claude Léveillé, a tenu à faire une récapitulation de son mois de février et des rencontres qu'il a fait avec le directeur général, M. Sylvain Germain. Premièrement, il nous a dit qu'il a rencontré les représentants de Microsoft et les travaux vont bon train. Ensuite, il a rencontré le ministre responsable de la capitale nationale, M. Jonathan Julien. Ils ont fait part des travaux qui s'en venaient à Donnacona. Ils lui ont dit, dans le fond, les besoins futurs de la ville et ils lui ont demandé une implication de sa part. Ils ont rencontré aussi Mme Julie Maltais-Laflamme, qui est représentante du CIUS, la capitale nationale, ici dans la région de Portneuf. Ils ont parlé ensemble des difficultés des jeunes ici dans la ville de Donnacona et surtout au niveau de l'école secondaire de Donnacona. Il va y avoir un projet qui va s'en venir et le maire et le directeur général de la ville de Donnacona va nous en parler. Présentation à l'Assemblée publique, 3.1 rapport du maire des membres du Conseil sur les activités municipales du mois de février 2024. Alors, de mon côté, j'ai assisté le 3 février au marché des fouleurs se déroulait au gymnase de Dallarena. Le 6 février, j'ai une rencontre de l'UNQ pour les villes de centralité. C'est la préparation pour les assises de l'UNQ qui va se dérouler la troisième semaine de mai. Le 7 février, rencontre avec les représentants de Microsoft pour une rencontre pour la préparation des travaux, comme vous êtes plus tout le monde s'en apercevoir que c'est déjà pas mal avancé de ce côté-là. Le 12 février, on a une rencontre avec le ministre de la Capitale nationale, M. Jonathan Julien. Moi et M. le directeur général, on a rencontré personnellement, on a fait part des travaux qui s'en venaient ici à Donnacona et des besoins futurs du côté politique. On voulait que ça implique un petit peu plus. Alors, à suivre de ce côté. Et le 29 février, on a une rencontre avec Mme Julie Maltais-Laflamme, qui est la représentante du CIUS au niveau de la région de Portneuf. Alors, on nous a fait part de quelques difficultés au niveau des jeunes ici, surtout au niveau de l'école secondaire. Et puis, il y a un projet qui s'en vient, qui va s'installer à l'intérieur du centre d'achat, deux représentants de la santé, soit une infirmière et une psychologue. Ceux qui sont dans le besoin, ben, ils peuvent faire part de leurs problématiques. On va laisser M. Germain élaborer de ce côté-là. Donc, Mme Maltais-Laflamme du CIUS de la région de Portneuf a tenu à nous informer qu'ils allaient mettre en place une aire ouverte à Place Donnacona pour des services supplémentaires au niveau de la jeunesse sur le territoire de la ville de Donnacona, particulièrement pour les adolescents. Alors, pour tous ceux qui en auront besoin, sachez qu'il va y avoir une intervenante à tous les vendredis dans Place Donnacona. Ils vont tenter, en fait, de se rapprocher, de devenir un service de proximité. La Sûreté du Québec aussi va en prendre part. Ils vont faire beaucoup de sensibilisation auprès des jeunes. Ils ont aussi parlé du compteur d'eau de Donnacona, qui est devenu un excellent outil, dans le fond, pour sensibiliser les gens. Et ils demandent aussi que les commerces, les industries qui ont dans le fond jusqu'au 1er juin 2025 pour se conformer, alors à s'informer du règlement. Ils disent aussi que c'est le temps pour eux de faire en sorte que le compteur entre dans leur industrie ou dans leur commerce puisque les coûts sont moindres. Monsieur le maire le disait, j'ai eu l'occasion de participer à la rencontre avec le CIUS de la capitale nationale. En fait, c'est Madame Maltais-Laflamme nous rencontrait pour nous informer qu'elle allait mettre justement en place ce qu'elle a appelé une aire ouverte à Place Donnacona pour des services supplémentaires au niveau de la jeunesse sur le territoire de la ville, particulièrement pour les adolescents. Donc, ça devrait voir le jour d'ici les deux prochains mois. Et il va y avoir une intervenante à tous les vendredis, en fait, deux intervenantes à tous les vendredis qui vont être à Place Donnacona dans un local spécifique. Les jeunes vont pouvoir aller les rencontrer pour différents besoins, différentes problématiques, là. Donc, ils vont tenter de se rapprocher, offrir ce service de proximité-là. La Sûreté du Québec est également dans le coup pour faire la sensibilisation auprès des jeunes qui sont dans ce secteur-là également. Donc, c'est un projet pilote qui a été essayé du côté de Saint-Ramon l'année passée. Et là, cette année, on a décidé de le mettre en place du côté de Donnacona. Suivi du dossier des compteurs d'eau, ça va très bien de ce côté-là. Les lectures vont très bien. C'est un excellent outil qu'on a pu avoir. Donc, et là, évidemment, la
prochaine, je veux dire, la prochaine bouchée à prendre, c'est vraiment de sensibiliser davantage nos commerces, nos industries qui vont jusqu'au 1er juin 2025 pour se conformer à notre règlement. Donc, il y en a déjà quelques-uns qui l'ont fait en 2023, une infime partie. Il y en a quelques-uns qui le font déjà, mais avec le déjeuner des gens d'affaires cette semaine, on va vraiment davantage en parler parce que le marché des compteurs d'eau, je dirais à grandeur du Québec, là, avec tous les règlements, la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, beaucoup de municipalités doivent faire adopter des règlements de ce style-là. Donc, les compagnies de compteurs d'eau, ben, il y a juste le bruit aussi. Donc, plus les commerces le font rapidement et plus ils sont en mesure d'avoir des tarifs plus concurrentiels. Donc, on va inviter fortement nos commerçants de pouvoir se procurer. Ce n'est pas des travaux qui sont énormes pour chacun des compteurs d'eau. Il faut juste prendre le temps de faire la démarche comme il se doit pour être en mesure d'être conforme au règlement pour le 1er juin 2025. Je vous le dis, là, je suis tannant à chaque mois, mais je suis tannant positivement, mais à chaque mois, je vous le dis depuis les derniers mois qu'on bat toujours nos records de consommation, bien là, on vient d'en battre un de longtemps. Là, ce n'est pas juste de février 2019, je n'ai même pas pu trouver le dernier mois encore. Donc, c'est 73 mètres cubes d'eau qui ont été traités en février. C'est vraiment exceptionnel. Donc, les gens ont une. Bon, on le sait évidemment, on n'est pas en période estivale, mais ça reste en période hivernale. En février, si on compare avec le février, là, j'ai reculé, j'étais rendu à 12 ans en arrière, et je n'ai pas encore trouvé un mot pour, malgré toute la hausse de population. Donc, je pense qu'il y a vraiment des bonnes pratiques. On a trouvé des problématiques sur le réseau avec des fuites souterraines un peu qu'on ne pouvait pas voir, mais les compteurs d'eau nous ont aidé quand même à en trouver quelques-unes. Et ça fait en sorte qu'on améliore grandement notre bilan de consommation d'eau. Pour commencer, le 5 février, j'avais une date de concertation sur l'accessibilité universelle de Port-Neuf. C'est nous qui sommes en charge cette année de préparer la semaine québécoise des personnes handicapées. Puis en primaire, je vous dis, ça va être le 1er juin pour Lac Simon. C'est dans le cadre du centième anniversaire là, de Saint-Léonard. Donc, ça va se passer. Donc, on ne sait pas encore précisément ça va être quoi l'activité, mais ça va être là. Il est point numéro 9. Point numéro 10, autre sujet. Alors, on va aller dans le festival des aides financières. 10.1, aide financière au club de golf de Donnacona. On sent que la demande d'aide financière au club de golf de Donnacona et qu'on sent que cette aide financière est prévue au budget de 2024. Alors, qu'on sent que cette aide financière représente un montant de 24 214 de subventions de fonctionnement, un montant de 1 000 $ pour l'affichage publicitaire, un montant de 750 pour les joueurs juniors, un montant de 900 $ conformément à l'entente avec les activités hivernales et un montant de 4 000 $ pour la plantation de 20 arbres. Donc, considérant que le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière par la résolution et de verser l'aide financière de 30 864 au club de golf de Donnacona et d'autoriser une dépense du même montant à même le poste budgétaire. Donc, nous en proposons. Le propose. Le compte. Alors, 10.2, aide financière au relais de la pointe du Scureuil. Considérant que la demande d'aide financière a été présentée, considérant que cette demande d'aide financière est prévue également au budget de 2024, considérant que cette aide financière représente un montant de 7 617 en subvention de fonctionnement, un montant de 4 200 $ pour l'organisation de deux activités familiales gratuites pour la population, soit Pâques et Noël, un montant de 575 pour l'organisation de la vente de garage et un montant de 650 $ en guise de contribution au déneigement d'une partie du stationnement de Donnacona sur la rue du Manoir. Le relais sollicite également une contribution de la ville pour l'aménagement des accès de l'ancienne église et que le conseil est favorable à contribuer à ce projet pour un montant de 5 000 $. On sent que la ville accepte de fournir l'équivalent d'une somme de 2 000 en services municipaux pour le support des différentes activités de l'organisme. Alors, la résolution de verser une aide financière de 18 042 $ au relais de la pointe du Scureuil et d'autoriser le même montant à même le poste budgétaire. Le proposeur. Je propose. Est-ce que tu 6.3 aide financière au club de curling, 7 points.
considérant que ce montant est prévu au budget de la ville de 2024. Considérant que le conseil municipal du propriété de verser cette aide financière. Alors, la résolution est de verser une aide financière de 7 191 $ au club de Curling de Portneuf incorporé et d'autoriser cette même dépense à mettre le poste budgétaire. Alors, je vous donne un proposeur. Quelqu'un contre? Alors, 10.4, aide financière au chevalier de Colomb, conseil 28-14 de la colonne. Alors, concernant la correspondance reçue par laquelle le chevalier Colomb, conseil 28-14 de Donnacona, sollicite une demande d'aide financière de la ville afin de soutenir l'organisation. Alors, la résolution de verser une aide financière de 3 500 $ au chevalier de Colomb, conseil 28-14 de Donnacona, afin de soutenir l'organisation et d'autoriser cette même dépense à même le poste budgétaire. Vous avez un proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, 6.5, aide financière à la Fondation de l'école secondaire de Donnacona pour le soutien des jeunes dans la communauté. Considérant avoir reçu par la Fondation de l'école secondaire par laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la ville pour le soutien des jeunes de la communauté. Alors, la résolution de verser une aide financière de 2 500 $ à la Fondation de l'école secondaire de Donnacona pour le soutien des jeunes de la communauté et d'autoriser ce le même montant à même le poste budgétaire. Alors, je vous donne un proposeur. Je propose. Quelqu'un contre? Alors, 10.6, aide financière au comité des loisirs du CHSLD de Donnacona pour l'organisation d'activités aux résidents. Alors, considérant que suite à la correspondance reçue du comité des loisirs du CHSLD par laquelle l'organisme sollicite une aide financière, alors, la résolution de verser une aide financière de 300 $ au comité des loisirs du CHSLD de Donnacona pour l'organisation d'activités aux résidents et d'autoriser cette même dépense à même le poste budgétaire. Donc, c'est un proposeur. Je propose. Je suis contre. Donc, 6.7, aide financière à l'organisme clicportneuf.tv pour soutenir la chaîne privée de la résidence L'Estacade de Saint-Raymond et la résidence au sommet de Donnacona. Alors, concernant la correspondance à l'organisme clicportneuf.tv de solliciter une aide financière de la ville, alors la résolution est de verser une aide financière de 500 $ à clicportneuf.tv pour soutenir la chaîne privée de la résidence L'Estacade de Saint-Raymond et la résidence au sommet de Donnacona et d'autoriser cette même dépense. À mettre le poste budgétaire pour faire le proposeur. Je propose. Quelqu'un contre? Alors, 6.8, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne doit être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, ou d'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à tout et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBT+, et toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Alors, considérant que malgré les sans efforts pour les meilleures inclusions des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans notre société. Considérant que le 17 mai, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2023. Alors, la résolution est que le Conseil municipal de la ville de Donnacona proclame le 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et de souligner cette journée en tant que telle. Alors, je vous en propose. Je propose. Quelqu'un contre? Alors, ceci complète les points numéro 10. Point numéro 11, deuxième période des questions. Alors, ça ne fait aucun. Alors,
Point numéro 13, le dépôt des documents. 13.1, soit la liste de correspondance pour février 2024. 13.2, dépôt de la liste de personnes embauchées par le directeur du service des loisirs et de la culture de la communautaire, au règlement numéro V601, finalement. Oui, donc, comme vous l'avez dit, conformément à l'article 6 du règlement V601 concernant la délégation aux acteurs du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de pouvoir procéder à l'embauche de certains postes pour les besoins du service. Maître Le Chignac dépose la liste des personnes embauchées soumises par le directeur du service des loisirs, ainsi que le sommaire décisionnel préparé par le directeur des loisirs pour chacune des embauches. Donc, les personnes suivantes ont été embauchées. On parle de Maya Trottier comme animatrice à l'espace ado avec une rémunération de 15,94 de l'heure. Annabelle Rousseau comme coordonnatrice adjointe au camp de jour pour la troisième année avec une rémunération de 19,27 de l'heure. À Samuel Denis comme coordonnateur du camp de jour pour sa première année à 18,50. Et Millie Paquet, coordonnatrice à l'intégration du camp de jour, première année également, 18,50 également. Donc, c'est un dépôt tout simplement de, selon l'article 6 du règlement V601. Merci. Alors, 13.3, dépôt du certificat relatif au déroulement de procédure d'enregistrement des personnes appelées à voter concernant le règlement numéro V601, sur lequel dépôt. Mais peut-être juste pour mentionner que le nombre de personnes habilitées à voter sur le règlement V601, c'était de 5993 personnes. On avait besoin de 610 signatures pour qu'un scrutin référendaire soit exigé. Il n'y a eu aucune demande. Donc, c'est pour cette raison que c'est un dépôt que le règlement est réputé à avoir été approuvé par les personnes habilitées à voter. Et 13.4, également un dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement. Les personnes avaient la votée concernant le règlement V623. Donc, même procédure, c'est un dépôt, donc avec le même nombre de signatures requises, 110, il n'y en a eu aucune. Donc, le règlement V623 est réputé avoir été approuvé par les personnes avaient la votée.